Le comité consultatif en environnement de Lavaltrie vous présente les bandes riveraines, un joyau à protéger. Qu'est-ce qu'une bande riveraine? C'est une bande de terre d'une largeur de 10 à 15 mètres qui longe les cours d'eau comme les rivières, les lacs et le fleuve. Une bande riveraine débute à la ligne des hautes eaux, soit à l'endroit où les eaux montent de façon régulière au printemps et se poursuit vers les terres. Les bienfaits d'une bande riveraine végétalisée sont nombreux. Elle fournit des habitats pour la faune et la flore, favorisant une importante biodiversité. La bande riveraine limite aussi la part de sédiments au cours d'eau et elle réduit l'érosion des berges en stabilisant les sols à l'aide des racines des végétaux. Il existe plusieurs façons de protéger sa bande riveraine, comme de conserver les arbres et les arbustes existants. Il faut aussi privilégier une stabilisation végétale plutôt que les remblais et les murets artificiels. Planter des arbres et des arbustes indigènes, provenant du Québec, et n'effectuer aucune intervention dans la bande riveraine, dont la tonte de la pelouse. N'oubliez pas, chaque geste compte! Pour plus d'informations, consultez le guide de protection des berges du comité ZIP des Seigneuries, rédigé en partenariat avec la Ville de Repentigny, ou le site web de la Ville de Lavaltrie, section Environnement. Cette capsule est présentée par le comité ZIP des Seigneuries, membre du comité consultatif en environnement de Lavaltrie.